Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo ouverture de figurines. Et cette fois-ci on est avec le site Japan Figure. Donc si tu connais pas le site Japan Figure, je t'ai fait une vidéo ouverture de colis qui était une collab avec le site. Et donc je t'avais dit lors de cette vidéo que j'allais faire une commande par moi-même pour pouvoir tester aussi ce que je pensais au niveau de l'envoi. Même si forcément il y a marqué Ibiki, donc tu te fais directement griller que c'est toi qui passes la commande. Voilà. Il va falloir un jour que je piège tous les sites, comme ça que je suis en collab, etc., avec un autre nom, un autre nom de famille, et comme ça qu'on voit en fait si les envois sont vraiment comme quand je les reçois ou pas du tout. Mais voilà à quoi ressemble le colis, il n'y a absolument rien à dire. Moi j'ai déjà préouvert pour que ça soit plus rapide, et donc c'est parti. Donc en ce qui concerne l'envoi du colis, le seul truc qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un couac au niveau du site. Tout simplement, quand j'ai passé commande, ils ont marqué, ils avaient laissé en fait, comment dire, la figurine, ils avaient mis qu'il y en avait deux en stock, alors qu'il n'y en avait qu'une, et la figurine venait d'être achetée. Donc directement, j'ai été contactée, bon là via les réseaux sociaux, vu qu'ils le savaient, qu'ils savaient qui avait commandé, mais directement on m'a contactée pour me dire, Ibi, il y a eu un souci. Et après, lors de la commande, lors de l'envoi du colis, ils m'ont envoyé aussi un message privé pour vérifier si j'avais bien reçu le mail, comme quoi le colis partait enfin. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt pro. Mais après, voilà, je peux pas juger si c'est parce que je suis Ibi, on va dire Ibiki Yume, ou est-ce que Ibiki.f, qui est mon nom de famille, mon vrai nom de famille, est-ce que si Ibiki.f avait commandé, aurait eu le même genre de retour, ça je peux pas le garantir. Donc une fois de plus, on va rester un petit peu, tu vois, à se méfier. Et ce que je ferai, c'est qu'un jour, je vais passer commande avec un autre nom. Et sur tous les sites, hein, quand je dis tous les sites, c'est même Figure House, et tous les sites que j'ai commencé à tester, où j'ai aussi collab, pour voir justement ce que ça donne si ce n'est pas moi. Voilà. Mais bon, toujours est-il, voilà à quoi ça ressemble. Alors je dis ça tout simplement parce que Shibi Akihabara, je sais qu'une autre collègue youtubeuse avait eu des problèmes en commandant en tant que son vrai nom. Et dès qu'elle disait que c'était elle avec son nom de youtubeuse, directement le souci était réglé. Donc c'est pour ça que je suis autant suspicieux. Ce que je vois par contre en bout, c'est qu'ils ont mis, tu vois il y a le carton, mais ils avaient mis ça pour bien caler, pour pas qu'il y ait de, tu sais, de, comment dire, de vide. Donc ça, je trouve ça cool. Par contre, je crois que j'ai oublié les ciseaux. Est-ce que le ciseau était en fait juste à côté de moi, mais il y avait un objet dessus? Oui, donc j'ai arrêté pour rien. Et deuxièmement, j'ai pas montré, mais on est avec Rem. Donc ce que j'ai de la chance, oui, ma boîte est à peine abîmée. Il y a un petit pli, mais c'est très discret. Là aussi, c'est du petit pli discret. Regarde, je te montre, hein, pour te montrer que je... Voilà, tu vois, il y a un pli, mais c'est très discret, tu vois. Et le côté, c'est ici. Tu vois. Mais bon, ça, je pense qu'avec un... Avec deux envois, parce que la figurine, forcément, elle doit venir, on va dire, d'Asie. Elle vient sûrement en France. Et de France, elle va de France à un autre endroit en France. Je pense qu'on ne peut pas avoir une boîte parfaite, parfaite. Mais déjà, c'est déjà plus joli que certaines figurines que j'ai reçues. Tu vois, je viens même de faire un petit trou là dans ma boîte. Super. Donc j'ai oublié de te dire, c'est une figurine de Taito et c'est dans la collection Precious Figure. Voilà, j'ai appris que Precious Figure n'était pas une marque, mais que c'était une collection. Voilà quoi ressemble. Oui, j'avoue, j'ai pris un peu pour ça aussi. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai oublié, mais il y a bien le scotch. Ouh, purée, elle a failli tomber. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a que la figurine et le socle. Et voilà. Le socle est trop mignon. Cassé la gueule, ça s'est cassé son gueule. Voilà, donc je sais pas si tu verras. Il y a pas simplement des points, des ronds, des petites étoiles. Voilà, et deux petits nœuds.
Il y a marqué Rosero. Voilà. Et voici la figurine. Donc honnêtement, je l'ai achetée parce que c'était REM. Je la trouve très mignonne au niveau des personnages. Et j'avoue, j'ai un petit peu pour ça. Hein, j'avoue, la petite tenue un peu provoque, le gros décolleté, les boobs et ça. Voilà, j'avoue. Honnêtement, j'aime bien aussi le petit... Donc je n'ai pas de chance parce qu'en fait le pied ne rentre absolument pas. J'ai beau souffler de l'air chaud, j'ai beau appuyer comme un taré, ça ne veut pas rentrer. Donc j'ai pas de chance une fois de plus. Je pense que je vais essayer de la limer avec une lime à ongles pour voir si ça peut rentrer. Parce que je vois bien qu'il y a un tout petit coin qui est trop gros. Et donc je pense que je peux peut-être arriver à bidouiller. Donc j'avais galéré. Donc j'ai galéré pendant un petit moment parce qu'en fait ce côté-là, ce pied-là ne voulait pas rentrer. En fait tout simplement il y avait un surplus de peinture au niveau vraiment de la partie qui se met à l'intérieur du socle. Et en passant un petit coup de ciseau mais vraiment tout léger, j'ai réussi à enlever du coup de la matière et à réussir à mettre le pied dedans. Donc je suis trop contente parce que sinon ça m'aurait vraiment embêté. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je t'invite donc à continuer la vidéo pour avoir le rendu du plateau qui tourne pour pouvoir la voir dans tous les détails possibles. Thank you.